tout d'abord saluer les chiffres positifs avec lesquels on a clôturé l'année 2018, puisqu'on a terminé à peu près à plus de 12 millions de voyageurs sur le Maroc, de visiteurs. C'est un chiffre qui nous permet d'avoir 1 million de visiteurs en plus par rapport à 2017 et qui sont très encourageants pour la promotion et l'avenir du tourisme au Maroc. Alors parmi les axes principaux qui ont été validés par le conseil d'administration de l'Office national marocain du tourisme qui s'est tenu il y a quelques semaines, le premier axe majeur, c'est la digitalisation de la présence de la marque à travers les marchés. Le deuxième axe, c'est une meilleure connaissance et la mise en place d'outils qui nous permettent de mieux maîtriser notre offre, de mieux maîtriser le comportement de nos cibles pour avoir une adaptation parfaite entre l'offre marocaine et les besoins et les attentes de nos marchés. Et le troisième élément aussi, le troisième axe qui a été validé, c'est le tourisme interne en tant que priorité. Je rappelle qu'aujourd'hui, en 2018, le tourisme interne, le Marocain du Maroc, a été le premier client des établissements hôteliers du Maroc. Donc là, on va continuer à travailler sur cet axe-là, à le renforcer parce qu'il est important, il est majeur dans la santé du tourisme au Maroc.